Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous pour cette célébration où nous continuons à acclamer le Seigneur qui a été exalté à la droite du Père, comme l'Ascension nous l'a rappelé, et où nous demandons à l'Esprit de venir dans notre Église, dans le monde. Avant d'écouter la parole de Dieu et de célébrer l'Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Tous ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton Esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et que nous obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. » Ils sont alors venus ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai saisi,
j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que pour ma part j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant pas vraiment quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond, «
Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. De brèves réflexions sur chacune des deux lectures que nous avons entendues. Le roi Agrippa ne pensait pas si bien dire, car Paul est en prison pour le motif suivant. Les Juifs avaient certaines discussions au sujet de certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclare toujours vivant. Agrippa ne croyait pas à tout cela, évidemment, mais c'est le motif de l'incarcération de Paul, de Saint Paul, à Césarée. Et en fait, ces quelques mots sont au cœur de notre foi. Jésus a traversé la mort, mais il est toujours vivant. C'est au centre de notre foi baptismale. Et c'est pourquoi Saint Paul a écrit, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts, vous meniez une vie, par la puissance du Père, vous meniez une vie nouvelle. » Retenons ces paroles que nous lisons à chaque nuit pascale. Quant à l'Évangile, la triple question sur l'amour de Pierre envers Jésus reprend le triple reniement de Pierre. Pierre avait renié trois fois avant que le coq chante et à la fin d'un repas, et Jésus lui demande avec insistance s'il l'aime et il lui confie la garde de l'Église. Mais Pierre, finalement, avance, en a été attristé, nous dit l'Évangile. Et finalement, nous-mêmes, lorsque nous faisons notre examen de conscience le soir ou lors du sacrement de réconciliation, nous pouvons nous demander si nous aimons le Christ. M'aimes-tu ? Pierre, Marguerite, Marie, Pierre, Paul, Jean, m'aimes-tu ? Car c'est là l'essentiel et les différentes façons, les différents comportements se résument là à l'amour du Christ.
et de nos frères, évidemment. M'aimes-tu? Encore deux mots sur le temps que nous vivons. Nous vivons maintenant la fin du temps de Pâques. C'est un temps de fête, de joie, sachant que le Christ est vivant, qu'il nous donne son esprit, et nous allons, le jour de Pentecôte, terminer ce temps liturgique. Alors, je voudrais vous dire simplement ce que demain les prêtres diront, et pour que ça, nous puissions l'assimiler aussi, au terme de ces fêtes pascales, c'est la prière d'entrée, au terme de ces fêtes pascales, Seigneur, accorde-nous de garder la Pâque présente dans toute notre vie. On ne peut pas faire toujours la fête, en quelque sorte, mais que dans la vie de tous les jours, nous vivions de cet amour du Christ mort et ressuscité dans notre quotidien. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple. Et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire
devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre toi et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition terrestre, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le revoir un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tant au monde entier, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Angela et Bruno, et également pour Sophie, confiée à nos prières, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, et animés de son esprit, tous ensemble, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aujourd'hui, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous nous donnons un signe de la paix qui vient de lui.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je ne suis pas roi de ce Seigneur.
Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous purifies et soutiens nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vénérons maintenant la couronne d'épines du Seigneur. La rencontre visible avec Jésus du cardinal Charles Journet. Le mystère de leur rencontre visible avec Jésus élargit comme à l'infini les gestes et les paroles des saints de l'Évangile. Il leur confère une vertu secrète, une ferveur contagieuse, une puissance de rayonnement que l'Église désormais ne pourra plus oublier. Les quelques traits de leur vie qui nous sont rappelés dans l'Évangile continueront de briller comme des soleils dans la nuit du monde et de nos cœurs. Ils forment comme les premières ondes d'une adoration qui se perpétuera tant que durera notre vie dans l'espace et le temps. À la question de Jésus aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il se trouvera toujours des âmes jusqu'à la fin du monde pour répondre avec Simon Pierre, fils de Jonas. Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. À la nouvelle question posée aux 12, voulez-vous, vous aussi, me quitter ? Toujours aussi notre foi répondra encore avec Simon Pierre. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. De la femme qui brise son vase de parfum à Béthanie, chez Simon le lépreux, le mot de Jésus demeurera toujours vrai. En vérité, je vous le dis,
partout où sera prononcée la bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. À Jésus, appelant par son nom chacune de ses brebis, comme au matin de Pâques, il appelle par son nom Marie de Magdala, l'Église toujours répondra, portée par le même élan, Rabouni, Maître. Toujours retentira à d'étranges profondeurs, dans nos oreilles et dans notre cœur, le cri du disciple bien-aimé, reconnaissant soudain, sur le rivage du lac de Tibériade, son maître ressuscité. C'est le Seigneur. Et toujours aussi l'humble adoration de l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Prions un instant en silence. Avant la bénédiction finale, j'ai à vous lire une lettre en provenance du nonce apostolique Monseigneur Luigi Ventura, adressée à Monseigneur Patrick Jacquin, recteur de cette cathédrale. Paris, le 6 juin 2014. Monseigneur, comme vous le savez déjà, le dimanche 25 mai dernier, durant son pèlerinage en Terre Sainte, Sa Sainteté François a invité les présidents Shimon Peres et Mahmoud Abbas à faire monter ensemble une prière intense demandant à Dieu le don de la paix et il leur a offert sa maison pour accueillir une rencontre de prière. S'il plaît à Dieu, ce moment se réalisera l'après-midi du dimanche 8 juin, solennité de la Pentecôte. Y prendra part également Sa Sainteté Bartholomée, patriarche de Constantinople, avec qui le souverain pontife a partagé son pèlerinage à Jérusalem. Le Saint-Père désire vivement que ce moment rassemble tous les fidèles afin que soit plus intense la prière adressée à Dieu et que soit enfin donnée à la terre de Jésus cette paix que les anges annoncèrent lors de sa naissance. Aussi, le pape vous demande d'inviter les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et tous les fidèles laïcs à participer spirituellement à cette supplication. De même, tous les hommes et les femmes de bonne volonté pourront s'y unir au plus profond de leur cœur. Ainsi, la prière pour la paix, qui s'élèvera près de la tombe de Saint-Pierre, s'étendra aux confins de la terre. Nous sommes sûrs que cette façon pourra se réaliser
De cette façon pourra se réaliser la promesse du Seigneur. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, selon l'évangile de saint Matthieu. Veuillez agréer, mon Seigneur, l'expression de mes sentiments fraternels en notre Seigneur. Maintenant, nous nous levons pour... à une prière. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Regina Caeli.